premier petit dérayage des familles. Dans les petits détails de ce vélo de ville que j'ai acheté pas trop cher, j'en parle dans une autre vidéo, il y a le dérailleur qui, bon bah... Il est où je saigne comme ça, moi ? A priori, il m'a lâché facilement, mais il y a un cache dérailleur qui m'a littéralement empêché de remettre la chaîne facilement, mais aussi m'a obligé à me couper sur les dents qui sont ultra tranchantes, en fait. Bon, rien de grave. Mais voilà, la vidéo c'est pas ça. L'idée c'est d'aller travailler sur ce sac là. On va le changer, on va acheter quelque chose d'autre et on va le remplacer. Ouais, c'est le sac pour mettre sur le guidon. Nouveau sac. Vous voyez ce sac? Vous voyez ce sac? C'est un dedans, il y a un sac. C'est une surprise pour vous. Surprise. Donc, il me faisait des traces de lettres. Il y a une pour moi, c'est cool pour ce que je veux faire. Il y a donc la pochette smartphone ici. Je peux la mettre en surplomb comme ça pour voir en avant, c'est bien. On peut mettre pas mal de choses qui est dur. Un zip ici. Une contre-poche là. Un espace, petit truc. Des espaces sur le côté. La tâche et encore ici devant. Ça se bien, avec pas mal de poches. Un espace de gestion complémentaire. C'est quoi ? L'étape qui nous intéresse, c'est ceci. Alors, nous avons la notice d'installation. Tristement, comme la plupart des notices, c'est pas très explicite, mais on va voir que c'est moins compliqué que ça en a l'air. Mais bon, ça a l'air compliqué au départ. Vous voyez cette pancarte? Alors, le guidon, il fait un peu moins de 22 mm. C'est un peu chiant. Là-dedans, il y a des bandes grip qui vont m'aider à augmenter la surface. Donc, à mon avis, on sera bon. Je t'avouerai que la notice est dégueulasse. Il y a plusieurs bagues, en fait. Soit on a le gros guidon, petit guidon. Moi, j'ai le 22-2. Donc, il va falloir que je mette tout. Ça, plus ça, plus ça. Donc pour récupérer le câble ici, tu dois desserrer ça là. J'ai pas un guidon droit, donc ça va être du tout pile. J'ai pas réussi à faire le plan vidéo que je voulais où je glisse la bande avec le 3M, mais bon voilà, vous voyez le résultat. Le but c'est de glisser dans la bague pour venir faire une surface maximum de compression sur le guidon pour pouvoir, avec les deux têtes qui accueillent les vis complémentaires, rattraper le système complet. Alors, la petite astuce, c'est que vous avez trois types de vis différents, petites, grandes. C'est selon la distance que vous voulez projeter la tâche, selon si vous avez un phare, si vous avez des choses comme ça qu'il faut éviter pour le sac. D'ailleurs, le sac est très bien, mais j'ai toujours un problème parce que je dois rajouter un phare en dessous. Je ne sais pas du tout comment ça a fonctionné. L'avantage de ce sac, c'est donc voilà, vous cliquez sur le petit bouton et hop, il vous revient directement dans les mains. Mais il y a une sangle dedans qui vous fait un petit sac bandoulière au cas où. Ça se clip assez facilement, mais faites attention, des fois ça ne se clip pas bien et il peut tomber. Si j'utilisais le câble, ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de faire une sécurité complémentaire pour retenir encore un peu le système. Et alors, cette petite housse fluorescente dégueulasse qui est fournie avec est très utile si vous voulez être bien visible pendant que vous roulez le soir, par exemple. Je suis très content de cette sacoche, on va la tester en route. La petite astuce que j'ai trouvée, c'est vraiment sympa. Par contre, vous n'allez pas savoir vraiment lire ce qu'il y a sur votre téléphone parce que bah, s'il y a du soleil, ça ne va pas aider. La couche tactile est très bonne, il n'y a pas de souci. Et voilà, ça ne bouge pas trop, il faut bien le serrer par contre.